Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on s'insère dans le cycle de conférences de Vox. On va passer 25 minutes ensemble. Cette présentation, c'est la V2 d'une version qui a été faite à Devox France. Si vous l'avez déjà vue, elle n'a rien à voir. Et les personnes qui sont sur la vidéo, qui regardent cette vidéo, c'est une version 2. Donc je m'appelle Nicolas, je travaille maintenant chez Lunatech, une société de services hollandaise, et on est en France. Chose importante, rendez-vous ce soir pour ceux qui sont là. On fait de la soirée meet and greet. L'année dernière, il y avait le feu d'artifice, la fête nationale. Et ça, c'est chouette. Donc vous êtes très nombreux dans la salle et vous devez vous demander mais de quoi il va parler. Je ne vais pas vous parler spécialement de start-up, même si je vais forcément partager une expérience qui est une expérience que j'ai eue dans différentes start-up. Je ne vais pas vous parler d'un nouveau framework JavaScript à la mode. Je ne vais pas forcément vous parler d'architecture. Je vais vous parler de choses quand même qui pourront être utiles pour vous la semaine prochaine. Donc pas de microservices, mais on va un petit peu parler quand même de services. Alors la bande-annonce, c'est j'ai promis de parler de trucs cool pour les startups. Et en fait, ce que je voudrais que vous reteniez à la fin de cette présentation, c'est qu'il y a des trucs cool pour votre équipe, pour votre société, pour votre équipe projet, pour vous en tant que freelance, pour vous en tant que développeur, et que c'est des choses que vous pouvez utiliser. Alors, je ne vais pas vous parler de choses, des bureaux les plus cool de la Terre, mais je vais vous parler de services. Et de services, d'abord dans un objectif de vous faire un retour d'expérience de ce que moi j'ai pu apprendre dans différents types de projets. Donc, je vais vous parler de Devox France. Je vais vous parler de Zap Travel, qui est une start-up pour laquelle j'ai bossé, un peu de Capitaine Dash et de Lunatech. Donc, je vais vous donner différentes visions et vous partager mon expérience de ce que j'ai pu faire, de ce qu'on a pu tester, des choses qui étaient sympathiques. Et je parlerai un petit peu aussi de services que vous pouvez mettre dans vos produits, vos logiciels, à la fin de cette présentation. Donc, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, et si vous regardez ce qui se passe dans votre équipe, on est à une conférence technique et en général, on a des présentations sur des frameworks. On a des présentations sur Java, sur de l'architecture. On a des présentations sur voilà, des stacks techniques. Moi, ce que je vais aujourd'hui vous présenter, c'est plus des présentations sur des outils que vous connaissez peut-être. Et en fait, l'idée, c'est que chacun ayant une expérience différente, on va partager ça. Et je vais vous donner des choses à actionner, des choses sympas que vous pouvez utiliser. Donc, dans votre société, on peut imaginer que vous faites du développement logiciel, a priori, que vous gérez des tickets, des incidents, que vous avez un suivi de prod à faire. Votre plateforme, votre client, le logiciel sur lequel vous travaillez doit envoyer des emails transactionnels, des emails d'information. Les emails transactionnels, bah, je suis un site qui vend des chaussures sur Internet. Vous choisissez des chaussures, vous les mettez dans le panier. Vous vous inscrivez pour mettre vos coordonnées et au moment où vous cliquez sur « Valider », et je souhaite valider votre email, il faut que cet email arrive vraiment rapidement dans votre boîte aux lettres, il faut qu'elle passe les filtres anti-spam, c'est ce qu'on appelle un email transactionnel. Dans votre équipe, vous organisez, j'imagine, entre vous pour vous répartir les tâches, vous échangez des fichiers, des documents, pas forcément d'ailleurs que entre développeurs, mais plus globalement. Vous êtes peut-être amené à regarder un petit peu le temps que passe chacun sur les tâches. On peut imaginer que vous devez aussi partager des mots de passe de production. Donc, vous ne les envoyez évidemment pas par mail, vous ne les mettez pas sur des post-it, vous utilisez des plateformes, ce genre de choses-là. Et tout ça, aujourd'hui, on est en 2017. Il y a quelques années, on parlait de software as a service, c'était la révolution. Et là, on est en 2017 et je trouve que c'est dommage qu'on ne parle pas forcément assez de tout ce qu'on peut faire. D'accord ? Donc, moi, j'ai essayé de vous partager différentes expériences de ce qu'on peut faire. La clé pour faire du SaaS, d'abord, c'est une carte bleue. Et à propos de carte bleue, donc à quoi sert une carte bleue? C'est la porte d'entrée pour pouvoir utiliser ce service. Certes, ce dont je vais parler coûte de l'argent. Mon point de vue, venant du monde des startups, c'est qu'en fait, cet investissement qu'on fait en prenant un abonnement sur Slack, en prenant un build dans le cloud, en utilisant différents systèmes pour envoyer des emails transactionnels, mon point de vue, c'est qu'en fait, c'est l'investissement. Donc certes, ça coûte une somme d'argent tous les mois, mais sincèrement, elle est rapidement rentabilisée et c'est souvent plus compétitif que de développer soi-même la solution. Tout simplement bah, parce que le cœur de votre métier, c'est peut-être pas de créer une plateforme d'envoi d'emails transactionnels. On peut imaginer que c'est le cas. Donc la carte bleue, c'est un peu la clé. Et donc, on a différentes aventures. Nous, dans la société où je travaillais auparavant, on avait une carte bleue sur laquelle on a mis tous les services. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, cette carte, à force de mettre des services, son plafond mensuel a explosé. Et quand tous vos services s'arrêtent, là, tout d'un coup, toute la société se réveille et tout le monde se rend compte qu'en fait,
on vit énormément dépendant de ces services-là. Et que évidemment, il ne faut pas avoir une carte bleue, mais des cartes bleues. C'est la réponse, ce qu'il faut faire. Et l'expérience que j'en ai l'année dernière, c'est que tout d'un coup, tout le monde se réveille, tout le monde se rend compte qu'en fait, on utilise plein de services et que c'est vraiment vital pour la société. Alors, des services, je ne vais pas parler de microservices, je ne vais pas parler d'architecture, je vais vraiment parler d'usage, des choses que, on peut amener, qu'on peut amener dans une équipe. Un service, pour moi, c'est quoi ? C'est une solution qui est hébergée en dehors de votre système d'information, donc typiquement du SaaS. Si vous utilisez Google Apps, enfin GApps, si vous utilisez tous les services dans le cloud, je pense que le débat autour du cloud disparaît progressivement. Au niveau des DSI, on est de plus en plus mature, on peut utiliser du Slack, on peut quand même utiliser de plus en plus d'outils, et je suis convaincu que, ce n'est pas un mouvement qui va s'arrêter. Donc ma vision, c'est que ce que je vous raconte là, quelqu'un qui regarde cette présentation dans 3-4 ans, j'espère qu'il dira « oui, il avait raison ». Un service expose des déclencheurs, des choses qui vont se passer. Je vais vous montrer, en fait, sur l'Inatech, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dépose un CV. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand un commercial, dans le pipe drive, dépose un lead. Je vais vous montrer, en fait, comment on peut scheduler, par exemple, de vérifier tous les matins que les collaborateurs ont saisi leurs heures sur Toggle. Donc, il y a des événements déclencheurs qui sont assez faciles à comprendre. Et ensuite, on a les mêmes services ou d'autres services qui peuvent réagir sur ces événements-là. Réagir, c'est quoi ? Bah, c'est faire apparaître un message sur votre Slack, vous envoyer un email, remplir un Google Spreadsheet, faire des événements. Donc déjà, on commence à poser les bases en se disant qu'un service, c'est un système qui est capable de déclencher des événements métiers, dans rapport à son activité, et qui lui-même est capable de réagir par rapport à des événements extérieurs ou des événements endogènes. C'est forcément quelque chose qui est une API web, REST, peu importe laquelle, mais c'est quelque chose qui est pour moi déployé à l'extérieur, sécurisé. Vous payez ce service, il y a de l'authentification, il y a des tokens d'authentification, on ne va pas parler de hôte et tout ça, mais voilà, ça fonctionne, c'est sécurisé. Et il y a une carte de paiement quelque part pour que tout ceci fonctionne. Et surtout, retenez bien ce que je vais dire, ça doit être cool, d'accord ? Gardez bien ça en tête, on va y revenir plusieurs fois. On a deux services, Trigger, et on a un service ici qui va nous déclencher des événements et un autre service qui reçoit des actions. Super. Comment on met ça en œuvre ? Il existe des solutions sur Internet. Moi, je vais vous parler uniquement d'une solution que je connais et qui est assez connue, qui s'appelle Zapier, qui est un agrégateur, un concentrateur, qui est un système qui coûte entre 20 et 50 dollars par mois, qui permet d'agréger des services, de déclencher de la logique et de faire réellement cohabiter votre écosystème. Donc déjà, il faut prendre conscience de qu'est-ce que vous avez comme service dans votre société. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Slack ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ouais, donc il y a un peu plus de la moitié de la salle qui utilise Slack. Gmail, Mailchimp, c'est des choses. Mailchimp, peut-être, pour envoyer des lettres d'information ? Ouais. Donc vous reconnaissez peut-être quelques logos. Sur Zapier, il y a plus de 600 services. Et on peut connecter à peu près tout et n'importe quoi. Alors je pourrais passer mon temps à vous lister tous les services, mais ce n'est pas l'idée de ce que je veux faire là. Donc les triggers et les events, on commence à se rendre compte qu'on a différents services, qu'on va pouvoir les connecter. Évidemment, ces services-là, leur utilisation est payante. Et tout ça, comme dirait un célèbre philosophe nantais, moi je trouve que c'est plutôt cool, ça commence à être intéressant. Dans le monde des startups, donc j'ai travaillé chez Zaptravel, qui est un Google-like du monde du voyage. Et ensuite, chez Capitaine Dash, mon ressenti, c'est qu'on vit énormément à crédit et encore plus que finalement dans une équipe projet ou chez un client final. On essaye d'emprunter tout ce qu'on peut. On essaye d'emprunter de l'argent, on essaye d'emprunter du temps. Et le piège, c'est de commencer à développer soi-même des choses qui sont faites beaucoup mieux par des personnes de l'extérieur. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions pour emprunter, pour pouvoir faire un emprunt que vous devez rembourser et avancer et valider parfois des scénarios. Donc on peut imaginer de lancer une start-up avec une idée qui, en fait, derrière est l'agglomérat de différents services, un petit peu de code que vous avez écrit, et finalement, vous avez créé réellement un service, quelque chose de nouveau, de supplémentaire. C'est assez courant dans le monde des start-up. Quand j'étais chez Zaptravel, il y avait un gros problème qu'on avait, c'est qu'on devait faire croire qu'on n'était pas trop petit. Donc on répondait aux journalistes, on est entre 10 et 49. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on avait 61 000 visiteurs uniques par mois et on était dans le marché du monde du voyage. Et on vous regarde si vous commencez à dire que vous avez X employés. Donc nous, on a
pas jouer sur ces chiffres-là, mais on a fait en sorte que le site web donne le ressenti d'être que derrière, il y a 500 personnes, et ainsi de suite. Et notamment, une des expériences qui était intéressante, c'est que nous, on a utilisé un système de live chat. Donc imaginez 60 000 visiteurs uniques par mois. Ça ressemble à Google. Vous tapez « je voudrais aller le week-end prochain en week-end romantique à Venise dans un hôtel entre 100 et 150 euros ». Et vous appuyez sur Enter, et le truc vous donne en temps réel la dispo, et ainsi de suite, voilà. Et sur le site web, il y avait un live chat, je pense que vous connaissez tous, c'est les fenêtres qui sont en bas à droite, et vous pouvez commencer à discuter avec un humain ou avec un robot. Et donc nous, on avait pris une solution, Olark, et derrière Olark, en fait, on le connecte avec du Google Hangout, du Skype. Donc Olark, c'est juste un médiateur, un bout de JavaScript que vous installez en 5 minutes sur votre site web, et 5 minutes plus tard, vous avez un support comme celui-ci. Vous pouvez configurer les heures d'ouverture, de fermeture. Et quand les personnes tapent, en fait, ça active du Google Hangout, du Skype ou du Slack, ainsi de suite. Et en fait, quand on a lancé cette idée, moi, j'ai dit, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Il y a plein de gens qui vont rentrer, mettre des conneries, tout ça. La réalité, c'est qu'en fait, non, il y avait peu de personnes qui venaient sur ce système-là. Mais par contre, à chaque fois, les journalistes, votre site est vraiment bien. Et en plus, ici, si jamais je ne comprends pas, je peux cliquer en bas à droite et parler à un agent de voyage. Oui, ce n'est pas un agent de voyage, en fait, c'est moi. Mais voilà. Et en fait, ça a pu donner quelque chose de vraiment cool, comme dit un célèbre philosophe nantais. Deuxième exemple à vous partager, c'était chez Captain Dash. Donc, Captain Dash, éditeur de logiciel de dashboard pour les grands comptes. Donc les clients, c'est des gens qui font du Excel et qui tout d'un coup font des tableaux Excel dans navigateur et ils ont besoin de support humain. Et donc il a fallu trouver une solution pour remettre un numéro de téléphone pour pouvoir ensuite prendre des appels et les dispatcher sur une équipe de support. Alors pas du support technique, du support métier. La difficulté, c'est que petite société, pas beaucoup d'employés, tous les employés sont avec des téléphones portables, on n'a pas de téléphone fixe, et un centre d'appel, ça coûte un arbre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé AirCall, qui est une solution plutôt sympa. AirCall, pour 40 euros par personne, vous pouvez avoir un compte là-dessus. Après, vous achetez un numéro de téléphone, un 01, 80 ou ce que vous voulez. Vous pouvez acheter des numéros de téléphone pour tous les pays européens. Vous pouvez acheter des numéros non surtaxés, ainsi de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça vous permet de faire? En une après-midi, vous pouvez vous faire votre centre d'appel où quand vous appelez, il y a une synthèse vocale qui accueille vos personnes, qui dit appuyez sur 1 pour en français, 2 pour l'anglais. Et tout ça, vous tapez du texte, donc c'est un site web, vous tapez les textes, vous tapez les phrases, vous choisissez si c'est une voix d'homme, une voix de femme. Et le résultat, c'est qu'en fait, ça donne aux personnes vraiment le sentiment d'avoir un vrai data center, un vrai call center derrière. Et vous pouvez renvoyer les appels entre les collaborateurs, et quand votre téléphone portable n'a plus de batterie, en fait, AirCall voit que vous êtes offline, il envoie l'appel entrant sur une autre personne. Donc ça, c'est un système qui est plutôt sympa à utiliser si vous voulez avoir une plateforme téléphonique vraiment cool, comme dit un célèbre philosophe nantais. Ok. Je vais vous parler un petit peu aussi d'autres outils. Donc, vous voyez un petit peu où je commence à vouloir aller, notamment de DevOps France. Donc, je suis l'un des organisateurs avec Antonio Ezwer. DevOps France, c'est une activité saisonnière. En ce moment, je suis devant vous et on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on utilise pour organiser DevOps France? D'année en année, on a rajouté des outils, mais le cœur de notre fonctionnement, c'est de l'asynchrone. On fait ça soir et week-end, ce n'est pas notre boulot. Donc, il nous faut des outils asynchrone, mais il faut qu'on voit qu'un tel a fait ceci et a fait cela. Donc on a deux outils principaux. On a InsightLink, qui est un CRM qui nous permet de gérer un petit peu les relations avec les sponsors, de voir que Nicolas a répondu, Zwer a envoyé le contrat, Antonio a envoyé la facture, et ainsi de suite. Donc ça, c'est InsightLink. On est des gros accros à Dropbox, on stocke tout, les factures, tout, on a les photos, enfin on stocke tous les documents. On fait signer des contrats, on reçoit de l'argent, donc on utilise DocuSign. On doit envoyer des mails transactionnels. Quand vous inscrivez en tant que speaker pour venir parler à Voxt ou à DevOps France, on utilise MailGun pour envoyer des mails. On envoie des lettres d'information. Cette année, pour les speakers, on envoie des SMS. Vous voyez un petit peu tous les services qu'on peut utiliser. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais nous, grâce à ça, on avait comme des outils vraiment sympas qui nous permettent de compléter et de nous aider à notre quotidien. Donc là, vous voyez, il n'y a pas marqué Java ou Scala. Il n'y a vraiment que des services. Chez Captain Dash, d'autres exemples d'outils. Qu'est-ce que vous avez de plus? Je parlerai de RunScope et d'Obgenie, parce qu'on faisait du suivi de production, je vais en parler un petit peu après. Et chez Lunatech, qui est une société de services, on découvre encore d'autres outils différents, notamment Workable, qui permet de gérer les candidats qui souhaitent venir travailler chez nous.
Pipedrive pour gérer l'activité commerciale, Confluence qui est un wiki, et une énorme utilisation de Slack sur laquelle, justement, je voudrais faire un focus. Là, ce que je voudrais que vous entendiez, en fait, c'est, vous voyez, en fait, différentes utilisations de Slack, donc Devox France, Capitaine Dash et Lunatech. Slack, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, salle de discussion, c'est un petit peu la foire du village, avec des salles publiques, des salles privées, avec des outils qui sont vraiment, vraiment assez pratiques. Alors, c'est l'IRC en couleur, disent certains. C'est ouvert à tout le monde, on peut écouter ce qui est intéressant pour soi, ça, c'est vraiment bien. Combien de fois vous avez été embarqué dans des conversions, vous savez, des conversations d'email, on vous met en copie, et en fait, vous n'avez rien à faire. Et les gens vous renvoient des re. L'avantage de Slack, c'est que c'est vous qui décidez, en fait, si vous voulez ou pas écouter certaines conversations, donc en rentrant ou en sortant dans les salles. Ça coûte pas très cher. À partir de l'option numéro 2, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des contributeurs extérieurs. Donc, chez Lunatech, nous, on a des channels par client. Et dans cette channel, on fait venir les clients. Ça marche dans un navigateur web, donc il n'y a pas de problème de firewall, ce genre de choses-là. C'est vraiment un outil sympa. Ça, c'est une capture d'écran de Capitaine Dash. On avait différentes channels. On a un channel Daily Stand-Up. C'est comment, en fait, tout le monde ne vient pas physiquement au bureau. Il faut, à un moment donné, se synchroniser. C'est une idée, en fait, qui vient de Clever Cloud, où ils ont un petit channel. Ils disent, hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça, et les soucis que j'ai rencontrés. Et quand vous rentrez de vacances, bah, vous regardez le stand-up, le channel de la semaine dernière, et vous voyez tout de suite l'historique de ce qui s'est passé. Donc ça, ça prend 5 minutes à faire. C'est vraiment sympa. Il y a des channels entre développeurs, parce que là, il n'y avait pas que des développeurs. Il y a des channels par client pour pouvoir voir un petit peu l'activité. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit en haut, donc Bain, c'est un composant technique. On voit que les produits émettent des messages. Et là, on va parler un petit peu plus pour les développeurs dans quelques instants. Et les clients, les vrais clients, peuvent aussi parler dans les salles. En fait, d'un seul coup d'œil, on peut voir un petit peu l'activité de la société. On peut réagir, on peut muter, on peut faire plein de choses et on gagne énormément de temps. Donc justement, pour vous, développeurs, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc nous, on mettait, enfin on met toujours, ça n'a pas été retiré, on a un channel monitoring global pour Capitaine Dash dans lequel on a mis les outils qui nous permettent de surveiller la prod. Donc Hugo Strange, c'est un truc qui est fait maison. OpsGenie, c'est un outil, un SaaS, un service qui vous réveille la nuit ou qui vous appelle sur votre téléphone quand il y a un problème de prod. Mais ce n'est pas lui qui détecte les soucis. Vous le mettez avec CloudWatch sur AWS ou sur les systèmes de notification extérieurs. Et RunScope, qui est un système vraiment sympa, on va le voir tout à l'heure, qui regarde de l'extérieur votre application, qui fait, au sens web, pardon, qui va sur votre site web ou votre application web, qui peut s'authentifier, jouer des scénarios, et qui va vous dire bah, si ça ne marche pas, et qui va vous dire aussi si la latence augmente. Donc quand vous avez des API pour téléphone mobile, RunScope est vraiment bien, parce qu'il va vous dire ton truc il marche, mais depuis jeudi matin, tu es à 400 millisecondes de latence au lieu de 100 millisecondes. C'est pas normal. Ah oui, on a mis en prod un truc, on s'est planté, machin. Donc RunScope, superbe service, ça coûte 20 ou 30 dollars par mois, c'est vraiment bien. Et on peut mettre du Slack, on peut mettre, pardon, du Jenkins, de l'itération continue. Mon retour là-dessus, c'est qu'on a voulu être un peu trop bavard, donc on mettait un peu trop de choses. En fait, on mettait trop de messages pour dire que tout va bien. Donc en fait, on les regarde plus, comme pour les mails, hein. Et après, moi, ce que je dirais, c'est aujourd'hui, il faut mieux ne rien mettre. Si j'ai besoin de savoir le dernier build, je vais sur Jenkins. Ici, je m'attendrais plus à savoir en fait ce qui va pas, quoi. Genre build fade, ce genre de choses-là. Et là, on avait mis un peu trop de choses, donc en fait, à force, on regarde plus. Et on peut aller très loin. Là, on voit le déploiement sur Clever Cloud de Devox France. Donc là, en fait, je vois qu'hier, il y a eu deux scaling qui ont été faits. Donc je vois un petit peu, sans devoir aller sur le site. C'est vraiment, vraiment pratique. C'est vraiment le tableau de bord. Vous pouvez, et des services comme ça, il y a des articles sur le blog, sur Internet, qui vous donnent encore beaucoup plus d'idées. Donc Slack, il y a cette idée de salle publique. Vous pouvez avoir des discussions privées entre collaborateurs. Nous, on n'aime pas trop les salles publiques fermées. Donc c'est pas des salles publiques, mais des salles réservées. Ça fait un peu comme en boîte de nuit. Vous voyez le truc, vous ne pouvez pas rentrer dedans. On préfère à la limite que les gens créent des discussions entre eux, le temps qu'ils résolvent leur sujet de discussion. Et on préfère avoir des canaux publics où n'importe qui peut rentrer, sortir, ainsi de suite. Donc chez Lunatech, typiquement, on a des channels pour les clients, on a des channels pour le recrutement. Là, j'ai pas tout encore, mais j'en ai. On peut voir la musique, souhaiter les anniversaires, faire le stand-up pour l'équipe française, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc vous voyez, avec Slack, on peut quand même faire des trucs vraiment sympas. Et je doute pas que chez vous, déjà, vous faites des trucs très, très, très cool.
Voilà, un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc Slack, on peut dire que c'est quand même un outil qui est plutôt cool, comme le dit un célèbre philosophe nantais. Je voudrais, dans cette partie-là maintenant, j'arrive aux deux tiers de la présentation, je voudrais un petit peu parler aussi de la partie application. En fait, ce que l'on voit de moins en moins, on a vu pendant une période en fait que en tant que développeur, on était tenté d'utiliser des services. Et celui qui, moi, me faisait réagir, c'est quand je voyais du code avec l'API Java Mail, et je voyais quelqu'un qui essayait d'envoyer un mail à partir d'un bout de code Java. Ben, c'est pas une bonne idée. Enfin, ça marche pas, quoi. Et après, c'est la même personne qui revient qui fait ouais, « je voudrais faire du SSL en Java ». Pareil, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc, en fait, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de services qui sont vraiment, vraiment mieux faits à l'extérieur. L'envoi de mail est quand même assez pertinent, et un mail qui ne part pas ou qui n'arrive pas chez votre client, vous perdez de l'argent. Le gars qui est en train d'acheter ses chaussures, le mail, il n'arrive pas, il oublie et il n'achète pas vos chaussures. Et là, on ne peut pas s'amuser à faire ça pour le fun. Il faut vraiment des solutions qui permettent de suivre, d'auditer, de regarder le volume, et quand les mails reviennent, de voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Je recommanderais ces deux produits-là. Moi, j'ai une préférence pour Mailgun, parce que vous pouvez setter un peu plus de paramètres SMTP, notamment le message ID. Donc, on s'en sert notamment sur Devox. Mais Mailjet est aussi un très, très bon produit. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, j'ai pris un exemple, en fait, qu'on va voir avec Zapier. Imaginons que vous souhaitiez faire un formulaire de support sur votre site web qui, à la fin, doit déposer sur Slack en fait, qu'une personne a soumis un message. Bah, c'est plutôt assez facile, en fait. Donc, on peut utiliser Typeform, qui permet de créer des formulaires. Vous avez peut-être utilisé Typeform sans vous en rendre compte. C'est un système qui ressemble à Google Form, un petit peu mieux fait. Et si vous allez après sur Zapier, que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez chercher votre Slack, et vous cliquez, et en quelques minutes, avec un échange de clés sécurisées, une personne qui, par exemple, remplit un formulaire sur votre site web, vous pouvez recevoir en message privé ce qu'elle a rempli, ou vous pouvez le mettre sur un channel public, ou ainsi de suite. Tout ça, c'est vraiment des petites pépites, ça prend 10 minutes, si vous en faites, allez, peut-être pas un par jour, mais si vous en faites un tous les deux jours, tout d'un coup, vous avez créé plein de services. Puis il y en a qui vont persister, il y en a d'autres que vous allez effacer, parce que bah, finalement, ils ne marchent pas, mais c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Il me reste un petit peu de temps pour finir sur la partie production. Une expérience que je retiendrai qui était vraiment bien. Le problème, c'est de surveiller sa prod. Alors, on pense à des outils monitoring, ainsi de suite. Bon. Dans le cadre de Capitaine Dash, ce que fait la société, c'est déployer sur AWS. Et après, c'est accessible sur des iPads ou sur Internet. Donc, en fait, vous pouvez le tester de l'extérieur. Et là, on a utilisé RunScope, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cet outil-là vous permet vraiment déjà de voir votre SLA, permet de suivre un petit peu l'historique des projets, et d'un coup d'œil, vous voyez tous vos services déployés. Vous pouvez surveiller un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez voir aussi qu'il y a eu des incidents, mais que c'est revenu à la normale. Parce que c'est bien de vous dire quand ça ne marche pas, et c'est bien de vous dire, au fait, maintenant, ça va mieux. Et il ne me reste pas beaucoup de temps, et comme dirait Jean-Claude Duss, il va falloir que je conclue. Donc retenez cette idée qu'en fait, on peut aller chercher des services que vous en utilisez certainement et qu'il y a des possibilités vraiment très importantes de créer des connexions et d'améliorer votre vie de développeur. Ne demandez pas forcément la permission à vos responsables. Il vaut mieux s'excuser que demander la permission. En général, à partir du moment où ça fait gagner du temps ou de l'argent, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous remercie. J'ai fait 24 minutes pile. Rendez-vous ce soir pour ceux qui sont ici dans la salle. Et merci à Quentin d'avoir aussi revu ces slides. Merci. Il me reste 1 minute 30. S'il y a des questions, je les répète au micro pour la vidéo, si vous en avez. Oui, une question. Sur les envois de mail, l'idée, c'est de complètement, l'exemple de Mailjet tout à l'heure, c'est de remplacer un envoi de mail et un templating côté applicatif par un système dans lequel je vais avoir une API qui me permet de déclencher un envoi d'email dont le templating, la forme et les contenus seraient complètement contrôlés. Alors, donc la question, c'est est-ce que, je vais la raccourcir, la question, c'est est-ce que sur Mailjet, est-ce que l'idée, c'est d'envoyer des mails via une API avec des templating? Donc la réponse, c'est oui, mais on peut aussi utiliser Mailgun et Mailjet comme des serveurs SMTP. Donc concrètement, ça veut dire, avec du Play Framework, on peut utiliser le plugin d'envoi de mail, on peut utiliser les templates HTML qu'il y a dans Play,
Mais au lieu de parler au serveur SMTP de sa société, on parle au serveur SMTP de MailJet et MailGun. Pourquoi ? Parce que ces serveurs-là, quand vous rentrez et vous prenez un compte dessus, ils vous forcent à déclarer sur votre nom de domaine des clés, DKPIS et j'ai oublié l'autre nom, qui vous permettent d'améliorer votre réputation. Et en fait, ce que vous gagnez en plus, au lieu de le faire via votre serveur SMTP chez vous, c'est plusieurs choses. D'abord, une meilleure réputation, donc une meilleure garantie de délivrabilité. Et si ça ne marche pas, en fait, MailGun et MailJet peuvent vous dire pourquoi ça ne marche pas. Deuxième chose, MailGun, moi, j'utilise l'API, donc pas le client SMTP, parce que l'API permet de mieux positionner. Elle est beaucoup plus efficace. Et elle permet, de manière synchrone, de poster un message et de tenir pendant quelques instants un retour. Et en fait, on peut avoir un acquittement ou un rejet immédiat via cette API. Donc, on peut quasiment presque gérer le delivery failure, quasiment. Bon, ça prend des ressources, mais on peut faire ce genre de choses qu'on ne peut pas faire via du SMTP. Voilà. Et ça coûte, MailJet, pour Devox France, nous, on envoie à peu près 9000 mails, et je crois qu'on paye 3 euros par mois. Quoi. Donc, vraiment, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci.